Il va avoir le sourire, oui, parce qu'il a fait un beau podium, le premier en Europe 125. Thibaut, belle course. Hier, super. Aujourd'hui, plus compliqué. Bah oui, hier c'était le top avec un bon départ, donc je suis passé en tête assez rapidement et gardé la tête, donc ma première victoire en Europe. Maintenant la seconde manche, j'ai pris une bonne sortie de grille, mais on s'est un petit peu accroché avec Matteo et Hofer, donc je sors très mal, je dois sortir aux alentours des 20, puis remonte jusqu'à la 7ème place pour faire un podium au général. Un podium, c'est le but de ta saison. Content de ta journée? Bah ouais, bon, j'aurais espéré mieux, donc avec ma manche d'hier, j'aurais espéré beaucoup mieux, mais bon, au final, je fais un podium, mon premier, donc c'est plutôt pas mal. Quand tu gagnes hier, il n'y a pas d'expression de joie, on t'a pas vu lever les bras au ciel ni rien, t'es resté vachement discret. Bah ouais, parce que le week-end il est loin et aujourd'hui par exemple, je fais 3 du général, donc ça servait à rien, je l'aurais fait aujourd'hui si j'avais gagné, mais bon. Bon, finalement, les premières manches te vont mieux que les deuxièmes parce que la semaine passée à Beach, c'était un peu pareil. Une super première manche, deuxième manche plus compliquée, une grosse remontée encore. Ouais, bon, la semaine dernière, j'étais beaucoup fatigué. Du coup, cette semaine, j'ai pas énormément roulé pour bien me ressourcer avant cette course parce que je savais que c'était une épreuve difficile. Mais ouais. Bon, une YAM qui gagne en Europe 125, on en voit plus souvent des YAM gagner souvent une chasse gardée KTM quand même. Bah ouais, surtout en 125 quoi, après en 4,5 et tout c'est un peu pareil mais ils sont quand même aux avant-postes donc c'est cool pour la marque. Yamaha, t'es marié avec eux depuis quelques années, l'année passée déjà, contente d'être dans une structure comme tu es actuellement? Bah oui c'est top, hein. On a beaucoup d'affaires, beaucoup d'aides donc c'est super et j'espère que ça va continuer. Prochain Grand Prix l'Allemagne, motivé? Ouais, le week-end prochain, oui, bah pour remonter sur le podium, voir la gagne. Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite. À bientôt, Thibaut. Merci.